Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au signe des Capricornes. Bienvenue à vous pour ce tirage du mois de mars 2020, donc le tirage général pour ce mois. Alors, ça concerne bien sûr, comme toujours, les tirages du signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. J'ai remarqué que beaucoup ne connaissent pas leur ascendant. Vous pouvez me le demander, je vous l'ai proposé, donc n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Mais avec l'heure de naissance et avec un petit mot sympa. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont plus de 40 ans, à cet âge-là, on peut regarder l'ascendant parce qu'il peut prendre vraiment le dessus sur le signe solaire. Moi, je suis Capricorne, ascendant Taureau. Eh bien, c'est vrai que si je regarde par exemple le tirage des Taureaux, ça me parle. Donc pour vous, n'hésitez pas à regarder déjà votre tirage solaire et ascendant et après vous faire une idée. Mais vraiment pas, peut-être pas pour les jeunes, c'est plus pour l'âge de 40 ans et plus. Ok, si vous voulez un tirage personnalisé, parce que ça, ce sera un tirage général, en espérant qu'il vous parle le plus possible, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous répondrai rapidement, avec grand plaisir. Et pour ce tirage, je vais faire donc un tirage avec une énergie principale, avec l'ange de l'Atlantide. Ici, un tirage général, on verra ce que ça nous dit. Oracle de G, oracle des miroirs, énergie, je ferai un petit message pour l'amour, vu que je fais les tirages sentimentaux à part. Et puis, quelques messages des guides pour la fin. Alors, on va commencer. Je vais demander quelle énergie pour les Capricornes pour le mois de mars 2020. Quel message, quelle énergie pour les Capricornes mars 2020. Quel message pour les Capricornes mars 2020. J'ai ma carte des chakras qui est dedans. Vu qu'elle a la même grandeur, c'est drôle. Alors, ces cartes des anges, pour ceux qui ne connaissent pas, ça représente les orbes. Hein. C'est fait avec l'orbe, donc les énergies pour les Capricornes. Alors ici, on a l'orbe qui est violette. Alors, elle correspond, ici j'ai vu que la carte des chakras était là-dedans, le tirage, au chakra coronal. Hein. Donc, une bonne chose pour les Capricornes, vous êtes connectés au spirituel. Ici, vous avez le chakra violet avec l'archange Chamaël. Une très jolie carte, donc c'est une orbe violette. Vous pouvez vous référer donc en relation avec le côté spirituel. Vous serez plus connecté que d'autres moments durant cette période du mois, donc de mars 2020, les Capricornes, au niveau spirituel. Vous serez inspiré, vous aurez peut-être des messages, des rêves ou autres. Et le message qui est pour vous, c'est un commencement. Il y a quelque chose vraiment qui va démarrer. C'est le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vous avez l'archange Chamaël que vous pouvez invoquer dans cette démarche. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau qui va démarrer pour les Capricornes. Un démarrage qui peut être professionnel, qui peut être un projet de vie, qui peut être une vie sentimentale. Vous serez enfin dans cette période du mois de mars où ça va repartir. Les périodes janvier-février étaient très dures. On était tous, les Capricornes, dans une période de fin, de renouveau. Disons qu'on nous dit, après la fin, il y a le renouveau. Mais on voit ici, vraiment, le message est très bien sorti. C'est que c'est en ce mois de mars que le commencement va se faire. Alors, c'est bien qu'elle soit sortie, cette carte. Et c'est le moment. Donc, c'est vrai que les deux mois précédents, on a mis un terme à certaines choses. Où la vie a fait qu'on devait arrêter certaines situations pour nous mettre sur une voie nouvelle pour nous les Capricornes. Alors je vais demander pour les Capricornes, quel message on a pour le mois de mars 2020 pour les Capricornes? Quel message pour le mois de mars Capricorne 2020? Quel message pour le mois de mars Capricorne 2020? Capricorne mars 2020, s'il vous plaît. Capricorne mars 2020, si vous avez un message. Capricorne mars 2020, si vous avez un message. Ah, oui, j'allais dire un mal pour un bien. Hein. Capricorne, message pour les Capricornes. Message pour les Capricornes pour le mois de janvier. Mars 2020, Capricorne, mars 2020, s'il vous plaît. Quel message, Capricorne, mars 2020? Capricorne, mars 2020, s'il vous plaît. Message pour le Capricorne. Capricorne.
suivante. Ah, d'accord. Alors, il y avait toutes ces cartes. Bon, je les garde. 5 cartes tombées en même temps. On va voir ce que ça nous dit. Alors, les deux premières cartes, comme je vous le disais, déjà à l'entrée du tirage, on voit que je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de difficile qui s'était passé, qu'on avait perdu certaines choses, un travail, un amour. C'était la fin quelque part. On voit que ça nous a fait mal, ça a blessé notre peut-être ego, ça a blessé ce qu'on avait fait, ce qu'on avait construit, parce que ça s'est fini. Hein. Et on nous dit que c'est comme un cadeau. Ouais, voilà, je vous ai dit, le mal pour un bien, c'est comme un cadeau parce que l'énergie spirituelle, le cosmos a envie de quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose de plus équilibré, en tout cas, c'est ce que je peux voir, par rapport à une situation à laquelle vous pensez beaucoup. Ça touchera quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez énormément faire. Vous retrouverez un équilibre. Moi, je vois ici plus, bon, c'est assez général, on voit pas si c'est le domaine sentimental ou pas, ou amoureux, ou travail. Ou finances, là au niveau sentimental, on voit qu'il y a un redémarrage qui se fera parce qu'il y a vraiment le cœur de l'amour ou une situation à laquelle vous pensez que vous aimez beaucoup. Hein. On voit que ça peut être quelque chose lié avec l'étranger peut-être. Ça peut être une association avec un partenaire étranger, hein, si c'est au niveau du travail. Quelque chose que vous aimez beaucoup. Vous aimez vraiment ce que vous voulez faire qui s'est terminé ici. Ça repart d'une nouvelle manière. Il y a vraiment le commencement. On dit ici que vous allez fêter ça ou peut-être vous allez être invité à une fête ou peut-être on va vous remercier, on va vous fêter pour un nouvel engagement. Ça, je verrais comme quelque chose qui a posé problème dans le passé. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a peut-être abusé de votre confiance. Vous avez perdu certaines choses. C'est arrivé à un terme. Disons que votre situation est arrivée à un terme stérile, la précédente, pour repartir dans votre passion, même peut-être quelque chose qui est encore plus en accord avec vous-même, plus dans votre cœur. Vous avez peut-être quitté un travail qui ne vous convenait plus ou qui n'allait plus. Et si vous écoutez vraiment votre âme, il y a quelque chose pour vous, les Capricornes, qui s'annonce de manière encore plus proche de vos envies, plus proche de votre spirituel. Hein, on a la connexion spirituelle, ne pas l'oublier ici. Et que vous quittez cette situation passée qui vous a fait mal par abus de confiance, qui n'amenait plus rien, qui ne donnait plus rien, pour avancer vers une chose qui vous plaît énormément. Vous allez fêter ça. On ne voit pas a priori le contrat. On voit que vous retrouvez un équilibre qui est protégé par là-haut. Hein, et que vous vous dirigez vers quelque chose que vous aimez beaucoup et que dans le passé, à mon avis, on voit que c'était complexe avec cet abus de confiance et autres. Le dos de deck me dit l'amitié, une belle énergie, il y aura de l'argent qui va rentrer, vous avez fait une belle évolution dans le domaine du travail. Vous allez avoir, voilà, on l'a ici. C'est ce que j'allais dire, vous allez peut-être vous associer avec une personne au niveau professionnel. On va vous demander peut-être de travailler avec quelqu'un pour un commencement. Vous avez des compétences. On va vous prendre quelque part au niveau professionnel par rapport à ce que vous faites parce que vous êtes très doué hein, ici au niveau pro. Vous avez fait une très belle évolution peut-être ces dernières années, ces derniers mois. C'est pour ça que peut-être ça se termine parce qu'on vous veut dans un endroit plus important, meilleur pour vous, où vous avez un rôle à jouer. C'est bien parce que vous allez avoir mieux, vous serez mieux rémunéré, un meilleur salaire, une belle ambiance. Les amis, bah, disons que peuvent être présents, ou peut-être c'est grâce à des amis qui vous ont conseillé d'aller voir dans cette direction, ou vous ont guidé peut-être pour certaines choses, des conseils, etc., concernant votre situation qui se terminait. Là, on parle du travail, bien sûr, mettez-le par rapport à votre situation personnelle, hein. Je vous ai dit, ça peut être un amour qui se termine, ça peut être une situation, un projet ou autre. Alors, Capricorne, hop là, Capricorne, quel message pour le mois de mars 2020? Capricorne, quel message pour le mois de mars 2020? Vous êtes totalement protégé. On a le miroir magique, vous êtes totalement protégé. C'est absolument ce qui devait arriver. Hein, on a vraiment l'équilibre qui arrive dans votre vie. Mais même plus que ça, une justice divine, je dirais presque.
C'est ce qui devait se passer. On vous veut ailleurs que là où vous étiez, que c'était plus possible. Il y a la décision que vous allez prendre. Peut-être bah, justement donner réponse à cette association qu'on vous propose. Toujours cette question, peut-être simplement de faire avec le voyage, de partir. Non, moi, je le vois plus comme partir dans, comment dire, partir de la situation où vous étiez avant, vous diriger vers quelque chose que vous aimez. Regardez, vous avez la chance avec vous. Capricorne, s'il vous plaît, hein, vous avez la chance avec vous. Donc, c'est un super moi qui se présente, la force de l'homme qui est là. La force de l'homme, donc action, hein, il y aura du renouveau, il faudra mettre des choses en place. Ce mois va commencer, donc c'est clair, c'est pas en restant assis que ça va commencer. Il y a la tranquillité pour les Capricornes en mars 2020 par rapport à votre commencement, tout nouveau commencement. Est-ce qu'il y a un message encore pour les Capricornes en mars 2020? Oh wow! Alors, un travail qui peut se faire à la maison pour les indépendants. Hop, j'en ai trois qui sont tombés. On vous dit, alors pour certains, ça peut être un travail, une situation qui se fera chez vous. La situation précédente, je dirais, avec cette négativité, a pu affecter un petit peu votre émotionnel. On nous parle d'enfants, on nous parle de changement, la roue qui tourne pour vous ou l'argent qui rentre. Ce projet, ce renouveau que vous allez faire ici au mois de mars, vous apportera une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre financier. Il y a quelque chose au niveau de la famille, des enfants pour certains. Comment l'interpréter? Certains peuvent travailler dans leur maison, ça peut être un travail indépendant chez eux. La santé par rapport au fait que vous avez été affligé ou c'était difficile parce qu'on voit qu'on a vraiment, on vous a vraiment fait mal. Et puis les enfants, on va retrouver peut-être une joie de vivre toute neuve par rapport à votre projet que vous mettez en place, ce qui ne m'étonnerait pas. Hein, vraiment, hein, le projet qui vous tient à cœur, on l'a. L'enfant, il est joyeux, il est content de faire ce qu'il fait. C'est comme un cadeau. Il y a toujours cette notion d'étranger, donc peut-être une association avec une société ou on a un retour, mais un retour comment? Positif. Hein, vous voyez, ce que vous avez fait n'était pas inutile. Vous l'avez bien fait. Et on voit que vous récoltez quelque part, même si c'est difficile, du positif. Peut-être des nouvelles formations ou peut-être vous avez appris durant ces périodes. Ces mois précédents étaient très durs. J'ai regardé beaucoup de tirages Capricorne pour le mois de février. On nous disait tous, on nous disait pratiquement partout, hein, perte d'emploi, changement de vie, renouveau, etc. Et là, au mois de mars, ça se concrétise tout à fait. C'est vraiment un cadeau qui arrive du destin dans votre vie. Le commencement, la carte a super bien parlé pour vous, les Capricornes. Chamaël, vous pouvez noter sur un papier. Moi, je vais le noter vu que je suis Capricorne. Chamaël. Alors, je demande les énergies pour les Capricornes au mois de mars 2020. Quel message pour les Capricornes en mars 2020? Est-ce que j'ai un message pour les Capricornes? Retrouver l'équilibre, on a le yin et le yang. On a effectivement pas une situation où vous donnez, vous recevez peu. C'est ce qu'il y avait peut-être avant. Là, vous donnez, mais vous recevrez. Je suis très contente pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y a un message pour les Capricornes au mois de mars 2020, s'il vous plaît? Y a-t-il un message pour les Capricornes? On va prendre deux cartes. Capricorne. Oui, passer à l'action, l'énergie de l'homme. Alors, il y aura peut-être beaucoup de travail à faire pour ce renouveau. Hein. Il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Vous serez peut-être même débordé. Vous aurez énormément de choses. Et vous serez quelqu'un qui sera assez leader. Je vois ça comme diriger. Vous mènerez vraiment vos actions de avec poigne. Hein. L'homme, le cheval, ici, qui tire sa troupe derrière lui. Quel message pour les Capricornes? Vous voyez, de l'argent qui rentre, l'homme qui porte un coin, une pièce, l'argent va rentrer. Donc, c'est double cadeau pour vous les Capricornes. Bravo. Très joli tirage. Moi, ça me parle à 100%. Donc, voilà.
le tirage a parlé, mais je me réjouis de vous lire aussi, chers amis Capricorne. J'aurai un message à demander à Lila si elle me lit, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue pendant ma difficulté où ils ont fermé ma chaîne. Et ce serait bien qu'elle puisse me mettre un petit mot, un petit commentaire, qu'elle est toujours présente sur la chaîne, si elle m'entend, parce qu'elle est aussi Capricorne, donc voir si ça la concerne aussi. Puis je la remercie encore pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je me suis dit, j'accepte cette situation qui m'arrive, parce que justement, je pense qu'il y a, comme certains me l'ont écrit, mieux derrière. Je vous en parlerai par la suite. Il y a effectivement des changements, mais positifs. Donc voilà, je n'accepte pas ce qui s'est passé. Je le... Comment expliquer ça? Je le cautionne pas, mais je dois être dans l'acceptation. Je dis, j'accepte pas, c'est trop fort. J'accepte ce qui m'arrive, parce que sinon je serais en colère et je serais en train de pleurer, déprimée. Mais je me dis plutôt, ok, prends-le dans le sens que c'est un mal pour un bien. Et puis tu avances et tu vois, tu as des beaux cadeaux qui t'arrivent. Belle leçon de vie en tout cas. Et puis Lila, ben, je la remercie de m'avoir aidée. Alors je demande maintenant, alors pour le côté sentimental, pour les Capricornes, si on a quelque chose, quel message pour les Capricornes au niveau amour? Parce que je ferai un tirage sentimental séparé, vous le savez, donc je ne vais pas trop développer ça ici. Quel message pour l'amour? Capricorne, mars 2020, Capricorne, mars 2020 pour l'amour, Capricorne, mars 2020 pour l'amour. On ne veut pas sauter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une unfinished symphonie, d'une histoire infinie qui continue. C'est le moment de partir, donc peut-être de vous séparer. De... Moi, je le vois un petit peu la symphonie répétitive. Non, c'est la symphonie qui ne se termine pas. Et quelque chose que vous vivez de manière, moi je vois, assez répétitif, hein, quelque part. Quelque chose qui continue, qui continue, qui continue. Mais pour moi, je vois aussi le changement ici parce que vous tournez le dos à une situation, vous avez pris cette décision, vous allez prendre cette décision de partir. Capricorne en amour, mars 2020. Encore une fois, pour certains Capricornes, vous serez très présent pour les enfants. Peut-être un retour, un changement. Ça, je ne sais pas trop, mais vous serez près de vos enfants, en tout cas durant ce mois de mars. Vivez le moment présent. Alors là, on a encore la notion de maison. Hein. Elle est sur sa maison ici. Et on nous dit de rester pour l'instant sans aller derrière. Donc, dans le passé, sans aller trop de l'avant, sans trop vous projeter. Pour le moment, on nous dit de quitter une situation qui ne vous plaît pas. Donc, c'est possible que ça se passe aussi ce mois de... de mars, la séparation, hein, que je voyais tout à l'heure, pour le changement, hein, les commencements. Là, on ne voit pas vraiment le commencement, je dirais. Encore au sentimental, je vois plutôt bah, le fait de partir. Vous avez pris la décision, c'est fini. Quelque chose en lien avec la maison. Je demande des conseils maintenant pour les Capricornes. Ah là là. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, mars 2020. Quel conseil pour les Capricornes, mars 2020? Pour les Capricornes, mars 2020. Conseil pour les Capricornes, mars 2020. Conseil pour les Capricornes, mars 2020. Quel conseil? On nous parle de vie passée. C'est très intéressant. Peut-être ce qui vous arrive, c'est peut-être... Peut-être, comme je le ressens ici, le message, dans le sens que dans une vie passée, vous étiez ce que vous allez faire maintenant. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, par exemple, si je suis dans le passé, dans une autre vie, j'étais une, par exemple, une passeuse d'âme. Donc, les expériences que je suis en train de vivre dans ma vie actuellement, j'ai un problème avec mes vidéos, etc., on me pousse à aller vers une nouvelle situation, un nouveau challenge, qui pourrait être, par exemple, d'accompagner les âmes, d'accord? Et c'est quelque chose qui a un rapport avec ma vie antérieure. C'est un exemple. Peut-être vous avez aussi, vous, dans ce changement, de ce commencement, quelque chose en rapport avec une vie antérieure, que vous faisiez
ou que vous étiez dans une ancienne vie. On nous dit, cette situation demande que vous vous rappelez de votre past life, vie antérieure. Quel message pour les Capricornes en mars 2020? Quel message pour les Capricornes mars 2020? Quel message pour les Capricornes mars 2020? Tout est bien. On a l'archange Jérémiel. Superbe. Là, vous voyez, il fait une espèce de cercle avec ses bras. Et là, une espèce de coupe. Où dedans, il y a des étoiles ou de l'or ou de l'argent. Donc, il les tourne, il les déverse partout autour de lui. Il nous dit que tout est bien. Et c'est un petit peu pour nous conseiller et nous réconforter en disant tout ce qui se passe est exactement comme ça doit se passer. Hein? Blessing, vous allez voir les bénédictions qu'il y a derrière tout ça tout bientôt. Merci, c'est très beau ça. Donc c'est vrai, quand on est dans une période de malheur, si on se prend de manière à accepter la situation et se dire « Ok, il y a du mieux derrière, je ne suis pas une victime, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais réfléchir, et puis après j'attends que l'univers fait son travail », il y a toujours du mieux derrière. Tout est bien, tout se fait comme, comme ça doit se faire. Et, mais si vous vous accrochez, par exemple, si votre partenaire est part, hein, disons que dans cette situation, votre partenaire part, vous avez l'énergie du commencement, mais vous vous accrochez à ce mec. Vous êtes mal dans votre peau. Vous restez à pleurer, à réfléchir à ce qu'il fait, à lui écrire. Vous êtes dans une énergie négative. Déjà, un, vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est. Deux, et vous ne pouvez pas avoir ce commencement positif qui vous arrive dans la vie, qui pourrait être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. J'espère que je me suis bien exprimée. Et je demande encore une seule carte pour les énergies au niveau relationnel pour les Capricornes mars 2020 au niveau des relations. Quel message pour les relations Capricornes mars 2020? Un message pour les relations Capricornes mars 2020. Capricornes mars 2020. Ah, ah oui, alors pour les relations on nous dit laissez-vous aider, vous voyez. Donc par exemple ici dans le travail, peut-être j'aurais besoin d'aide ou besoin d'aide de ma famille, de mes amis. Ici, on doit se laisser aider, accepter, fuir son ego. Voilà, chers amis, sur ce beau tirage, j'espère que vous aurez des très beaux messages aussi à me donner de votre vécu, que vous ressentez déjà. Et je me réjouis de vous lire, comme toujours. N'hésitez pas à demander un tirage, de vous abonner, de cliquer sur la chaîne, de me soutenir hein, pour cette nouvelle chaîne qui monte gentiment, gentiment, gentiment. Et puis, je vous retrouve pour les tirages de l'amour tout prochainement. Au revoir, chers amis. Merci.